honorer du choix qui a été porté à ma personne pour coordonner le projet pour le développement de la Casamance. Je mesure toute l'importance de la charge, mais reste confiant quand je vois tout ce qui nous entoure aujourd'hui et qui doivent accompagner le processus de développement de la Casamance. Donc, tous les élus locaux qui sont ici présents, des trois régions administratives de Ziguinchor, de Sédou et de Kolda, donc des responsables des services publics, de l'administration décentralisée, des Casamançais et Casamançaises de toute confession et de toute appartenance politique, de la qualité de l'assistance, je reste confiant quant à l'assistance dont je peux bénéficier dans le cadre attendu de cette mission. Donc nous invitons à travers ce projet les Casamançais qui vivent dans la région naturelle de la Casamance, ceux qui vivent un peu loin d'ici et à l'étranger, de se joindre à nous dans le cadre de la relance des activités pour aider au mieux ceux qui aujourd'hui sont là et exploitent les ressources naturelles de la Casamance. Donc je pense que c'est un grand challenge et si on s'y met, pour peu qu'on y mette un peu plus de générosité et de créativité, je pense qu'on peut aider les Casamançais et les Casamançaises à mieux vivre.